Taylor. Oui, à la fin de l'émission, on propose un sketch à l'invité, un rôle qui normalement il n'a jamais joué. D'accord. Theresa May, pour vous. Anne-Sélie, ça vous irait bien. Elle vient négocier les suites du Brexit avec Monsieur Le Drian, ministre des Affaires extérieures de la France, qui est Guillaume Meurice. Et comme elle parle pas très bien français, Charline s'occupe un petit peu de la traduction. On y va tout de suite. Bienvenue, Madame la Première Ministre. Finally we meet, you son of a bitch. Attendez, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle vous dit bonjour, cher monsieur Le Drian. Ah, ça se dit bitch, Le Drian en Angleterre, d'accord. Enfin, pas partout, seulement dans le Sussex. D'accord, et oui, Madame May vient de là, je sais, oui, oui. En fait, nous sommes là pour les modalités du Brexit. I want my money back. Donc elle dit qu'elle voudrait un arrangement à l'amiable. Oui, parce que là, son visage dit l'inverse tout de même. Hein. Ah non, mais toujours comme ça, fermé, c'est à cause du smog. Pas de problème. That's great. Thank you, Mr. Le Drian. Ah, elle a pas dit bitch, là. Parce qu'elle a compris que vous disiez pas de problème pour l'accord. Ah oui. Non. You not Europe, so you bye-bye. Oh, so funny, this little guy. Attends, dites-lui bien quand même que nous, on coupe toutes les subventions, là. Hein. Wait, what? Ah là, voilà, elle a compris, là. J'ai l'impression qu'elle a compris. No subvention because of Brexit. What an asshole! Elle dit que vous êtes un peu dur. Non, madame, je suis français. Poursuivez, madame May. I want free trade, motherfucker! Alors, madame May voudrait continuer à faire du commerce avec le reste de l'Union Européenne. Ah non, pas de problème, ça, on sera ravis. Faudra juste payer les droits de douane, quoi. No fucking tariffs! Ah. Alors, elle souhaiterait ne pas payer de droits de douane. Allez, elle est filoute, hein, quand même. Hein. No, I'm English. Non, mais disons que pour ne pas payer la douane... Yes, tell me, baby. Eh ben, il faut que vous restiez dans l'Union Européenne. Fuck no! Alors là, je présume, elle aime pas l'idée, c'est ça? Vous progressez vite en anglais, dites donc. Ouais, alors... Il faudra y payer les droits de douane. Seriously? You can't have the butter and the money of the butter and the ass of the cheese lady. Voilà, okay. Madame May a une dernière requête. Okay. Yes, yes, it's very important. The passports. Bon, qu'est-ce qu'ils ont, les passeports? We want the old passports back, the blue ones. Elle voudrait revenir aux anciens passeports anglais, ceux qui étaient bleus, c'est ça? Very important. Ouais, alors là, vous faites ce que vous voulez. Moi, si ça vous fait plaisir, je m'en fous, en fait, des passeports. We did it. Totally worth it. Alors là, elle dit qu'elle est très satisfaite de cette négociation. Bah, j'imagine bien, des passeports bleus, c'est quand même pas rien. Hein. Shut up and kiss my ass. Voilà, bah, on va faire comme ça alors. Lui, il a pas vu OSS 117. Hein. Je sais pas pourquoi j'étais la reine au lieu de Thérèse. Nous, on s'en est pas rendu compte. Non. Mais enfin, vous avez très bien fait.